Bonjour. Il est très important pour un batteur percussionniste d'avoir une bonne indépendance et coordination. Pour cela, je vous propose de travailler ce qu'on appelle des rudiments, qui sont des exercices qui sont la base rythmique servant à développer cette indépendance et coordination. Revenons donc dans des rythmes binaires. Je vous propose de travailler un moulin. Le moulin est un jeu précis que l'on fait avec la main droite et la main gauche. Je vais donc utiliser le moulin 1 en faisant droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Je vais faire une mesure de croche, une mesure de double croche en mettant ma grosse caisse sur tous les temps et mon Charleston au pied sur le deuxième et quatrième temps. Ce qui va me faire. Ainsi, vous pouvez faire cette mesure croche, double croche sur la caisse claire, tom alto, tom médium, tom basse. Quand vous revenez à la caisse claire, vous accélérez un petit peu pour refaire un tour de batterie. Et quand vous revenez une troisième fois à la caisse claire, de nouveau, vous accélérez encore un petit peu pour refaire un dernier tour de batterie. Ce moulin, nous pouvons aussi le jouer en rythme. Je vais faire ma main droite sur le Charleston, ma main gauche sur la caisse claire, et je mettrai ma grosse caisse sur le premier et le troisième temps. 3, 4. Après, je peux développer les grosses caisses et passer également à la cymbal ride. 3, 4. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de travailler ce moulin avec les tomes. Donc, par exemple, en percutant d'abord mon tome seulement avec la main droite. Ce qui va me faire 3, 4. Avec ma main gauche. 3, 4. En mélangeant la main droite et la main gauche. 1, 2, 3, 4. Je mélange rythme et break en développant mes grosses caisses et en faisant mon rythme au Charleston, cymbal ride et en mettant au milieu des breaks avec des tomes. 1, 2, 3, 4.
Mais voilà, bon rythme, bonne percussion et à bientôt.